Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment faire ce panier. Vous pouvez également, alors je viens d'y penser, vous pouvez également faire ce panier par exemple pour des animaux, si vous avez des chiens et chats à la maison. Vous pouvez aussi le faire en sac. Ça serait plutôt pas mal. Vous pouvez partir de ce point là pour réaliser un sac cabas. Il y a vraiment beaucoup d'espace dans ce panier. Sur ce, je vais vous montrer comment le réaliser. Pour réaliser ce panier tressé, vous allez avoir besoin d'I-cord. Donc j'ai pris deux couleurs. La première couleur, c'est pour faire le fond, et j'ai pris donc une bobine et j'ai pris deux couleurs de gris, donc I-cord de chez Lydia. Pour le crochet, donc je me suis rendu compte que j'avais une couleur où le fil était plus fin que l'autre. Donc j'ai pris un 4,5 et j'ai pris un crochet numéro 5. Voilà. Tout dépend bien sûr de la taille de votre I-cord. Vous avez bien sûr également besoin d'un mètre ruban, d'un marqueur, d'une paire de ciseaux. Bon bah c'est parti, on va passer au tuto. Donc je vais commencer en faisant un cercle magique. Je tourne autour de mes doigts, je passe mon crochet, j'attrape le fil, je le sors, je fais une maille en l'air et ensuite je vais faire 6 mailles serrées. Donc je vais faire 7 tours avec vous. Et ensuite, je vous laisserai, car c'est vraiment de la logique. Il faudra juste que vous fassiez donc le nombre de tours en fonction de la taille que vous souhaitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai fait mes 6 tours. Je ferme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans toutes les mailles en faisant une augmentation. Donc là, on est au tour numéro 2. Je vais dans la première maille serrée et je fais 2 mailles serrées. Donc c'est qu'un tour d'augmentation. En tout, vous devez bien sûr avoir 12 mailles. J'ai fini mon deuxième tour. Là, je vais vraiment pouvoir tirer pour fermer mon cercle magique. Et là, on va continuer. Donc le tour numéro 3, je vais dans la maille serrée suivante et je fais une augmentation. Je marque la première maille serrée car elle correspond à ma première maille du tour. Ensuite, je continue en faisant une maille serrée individuelle, une augmentation. Et une maille serrée individuelle et une augmentation. Comme ça, tout le tour jusqu'à arriver au marqueur. J'ai terminé mon tour. Normalement, vous devez finir par une maille serrée individuelle vu qu'on a commencé par une augmentation. Au tour suivant, là, cette fois-ci, on va commencer par... En fait, pour vous expliquer... Si vous faites un cercle et que vous faites vos augmentations, à la fin, vous allez avoir comme des angles. Votre cercle ne sera pas parfait. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je vais faire, c'est que à chaque rang pair, vous cassez les augmentations. Donc là, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Là, normalement, je devrais faire deux mailles serrées, une augmentation. Sauf que je vais venir casser les augmentations, donc je vais faire une maille serrée, une augmentation, je vais venir quand même mettre mon marqueur dans la maille serrée individuelle, vu qu'on a commencé par la maille serrée individuelle, et là c'est là où je vais commencer ma logique. Donc je vais faire deux mailles serrées individuelles, alors une
2 et une augmentation. 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Je vais continuer tout le tour jusqu'à ce que j'arrive au marqueur, et au marqueur, normalement, il vous restera une maille serrée individuelle puisqu'on a fait la première maille serrée individuelle ici. Le tour suivant, comme c'est un rang impair, je commence toujours par faire une augmentation. Je mets mon marqueur dans la première maille de mon augmentation et là, je continue avec 3 mailles serrées individuelles. Ensuite, je continue en faisant une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc, vous continuez et normalement, vous devez finir votre tour avec 3 mailles serrées individuelles. J'ai terminé mon tour. Là, on arrive au tour suivant. Donc, c'est un tour d'augmentation pair. Donc, on va commencer par casser les mailles serrées. Donc, on divise le chiffre par 2 à chaque fois. Donc là, comme je suis à 4 mailles serrées, une augmentation, je fais 2 mailles serrées individuelles. Et ensuite, une augmentation. Et là, je commence 4 mailles serrées individuelles, 3 et 4 et une augmentation. Et je continue, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et une fois que vous arrivez au niveau du marqueur, vous devez finir par 2 mailles serrées, vu que vos 2 mailles serrées ici, elles sont là, en début. Le tour suivant, donc là on est au niveau des augmentations de nombres impairs, donc je commence toujours par une augmentation. Le marqueur sur la première maille serrée de l'augmentation. Et comme on a fait 4 mailles serrées individuelles au tour précédent, là cette fois-ci on en fait 5. 3, 4 et 5 et une augmentation. Vous faites ça tout le tour. Donc là j'ai fini mon tour. Normalement vous devez terminer par 5 mailles serrées individuelles. Je fais le dernier rang avec vous, je pense qu'après vous aurez compris. Donc un petit récapitulatif, si vous êtes dans un rang pair, vous divisez le chiffre par 2 pour commencer. Là, je sais que j'en suis à 6 mailles serrées individuelles, donc je vais faire 3 mailles serrées individuelles et finir par 3 mailles serrées individuelles. Si mon nombre est impair, à ce moment-là, je commence par une augmentation. Donc pour le dernier tour que je vais vous montrer, comme je vous le disais, c'est 6 mailles serrées individuelles. Je fais 3 mailles serrées individuelles. Surtout ne pas oublier le marqueur. Une augmentation. Et vous continuez à faire 6 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6 et une augmentation. Le fait de faire cette technique, en fait, c'est que les augmentations ne seront jamais au même endroit. Et du coup, votre cercle sera bien rond. Vous n'aurez pas les coins. Donc sur ce, je vous laisse. Moi, je vais continuer. Je vais vous mesurer ensuite en centimètres la taille du fond. Vous faites la taille que vous voulez bien sûr et je vous montre par la suite les bords et puis donc le point que je vais employer et les poignées. Donc voilà, j'ai terminé le fond de mon panier, donc il gondole un petit peu parce que j'ai dû le plier vu qu'il est assez grand. Au niveau des mesures,
j'obtiens environ 35 cm. Au niveau du tour, j'ai fait 23 mailles serrées pour le dernier tour et une augmentation. Là, ce qu'on va faire, donc un peu une maille chaînette de fondation pour qu'ensuite les rebords puissent monter. Donc là, c'est l'endroit de mon panier. Je le retourne. Je n'ai pas coupé le fil. Vous pouvez couper le fil si vous voulez vraiment quelque chose de bien droit, parfait. Moi, je ne veux pas couper le fil. Ce que je vais faire, c'est qu'alors, je me rapproche. Donc là, vous êtes sur l'endroit où vous avez l'envers. Là, vous avez la petite boucle, la chaînette en fait. Vous passez derrière et derrière la maille serrée, vous avez tout un tas de petites boucles. Ici, ici. C'est des boucles qui se trouvent juste derrière la maille chaînette. Et bien en fait, c'est là qu'on va faire nos mailles coulées. Donc, je vais dans la petite boucle. Donc là, j'avais fait ma maille serrée. Directement, hop, je fais une maille coulée, sans serrer, bien sûr. Je vais, donc là, vous avez la maille chaînette, juste derrière. Vous tirez un peu, surtout, il ne faut pas que la maille coulée soit trop serrée, vu qu'on va travailler dedans après. Bon, je reprends mon fil. Hop, là, hop, une maille coulée, là j'ai la chaînette, je vais derrière et je prends juste la petite boucle et je fais une maille coulée et je continue. Donc je vais continuer pour faire tout le tour. Et voilà ce que ça va vous donner. Après, en fait, vous aurez les mailles coulées qui vont monter et qui ne seront pas dans le même sens du coup que les mailles serrées. Et là, après, on va pouvoir s'accrocher. Donc moi, ma première maille coulée, ça se voit, elle est ici. Donc je vais pouvoir accrocher mon fil après et commencer à faire le bord. Donc vous faites tout le tour et on se rejoint après pour faire le bord du panier. Alors, je me suis avancée un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon tour de maille coulée. Je me suis rattachée en faisant une maille coulée. Et ensuite, j'ai changé de couleur. Donc, j'ai pris du gris. Et donc, j'ai pris un crochet 5 mm, vu que le fil est un peu plus gros. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous allez dans chaque maille coulée. Et vous montez avec deux mailles en l'air. Et ensuite, vous faites, dans chaque maille coulée, vous faites une demi-bride. Donc pour reconnaître les mailles coulées, là où vous avez, comme on a pris juste la boucle derrière la maille serrée, là vous avez la chaînette de la maille serrée. Et là, juste derrière, ici, vous avez vos mailles coulées. Donc moi, j'arrive à la fin. Je vous montre juste les derniers. Normalement, vous n'aurez pas une grande différence entre les couleurs. Si vous prenez plusieurs couleurs ou si vous en prenez une seule, c'est juste que bon, moi j'ai vraiment pas eu de chance. Donc je vous montre, parce que du coup je vais commencer le point. Donc là j'ai terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon crochet, je vais passer derrière. Donc je passe entre les deux mailles en l'air et la demi-bride. Je fais un jeté. Je passe. Et là, comme ça, ça va me faire comme une bride en relief avant. Je monte avec deux mailles en l'air. Je tire un peu parce que donc c'est vraiment de la corde. Le crochet, j'ai pris le crochet le plus petit recommandé sur l'étiquette. Et en plus, on va faire un point qui vraiment va resserrer encore plus. Donc, je fais un jeté. Et là, je vais venir. Donc, je vais passer mon crochet derrière.
et je viens pour faire une bride en relief en arrière. Donc un jeté, je ferme et là je referme les deux boucles. Là je refais un jeté et cette fois-ci je vais passer de telle façon que la demi-bride sera prise vers l'avant. C'est comme les côtes au point élastique quand vous faites des vêtements. Là, je fais un jeté. Je vais derrière. Je passe entre les deux. Je vais de l'autre côté. C'est un peu plus dur parce que c'est de la I-corde. Je tire. Et voilà. À chaque fois, vous faites une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Vous faites ça tout le tour et ensuite on se retrouve à la fin du rang. Je viens de finir mon premier rang, donc voilà ce que ça donne. Ça fait bien sûr des côtes élastiques. Donc là, vous avez les demi-brides et là, les brides en relief. Donc, je vous montre comment terminer. Donc là, j'ai fait une bride en relief vers l'arrière. Là, je fais la bride en relief vers l'avant. Bride en relief vers l'arrière. Et là, ce que je vais faire, comme c'est normalement, c'est deux mailles en l'air, on va passer ici. Je passe derrière, je fais un jeté. Et comme ça, en fait, vous allez avoir comme si que vous avez une bride en relief en avant. Donc le point, en fait, se compose de deux rangs. Donc le premier rang, ce sont le rang qu'on a fait. Ici, le rang de demi-bride, c'est le rang préparatoire. Donc premier rang, c'est celui-là. Le deuxième, en fait, tout simplement, on va faire l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'ici, normalement, avec les côtes, on passe pour faire toujours des brides arrière pour quand vous voyez des brides arrière et brides avant, quand vous voyez les brides avant. Là, on fait l'inverse. Donc là, ma bride, elle est vers l'arrière. Donc, je vais la prendre vers l'avant. Et là, je fais l'inverse. Là, je vois bien qu'elle est en avant. Donc, je viens la chercher et la prendre en relief vers l'arrière. Là, elle est en arrière. Donc, je fais une bride en relief vers l'avant. En fait, vous devez à chaque fois inverser ce que vous voyez. Donc là, c'est en avant. Donc je fais une bride en relief en arrière. Vous faites ça tout le tour. Et ensuite, je vous explique pour les mailles en l'air. J'ai terminé mon dernier tour, je voulais juste vous montrer comment finir. Donc là, j'ai une bride en relief par l'arrière, je la prends en relief par l'avant. Et là, j'arrive à mes deux mailles en l'air, elles sont ici. Donc là, normalement, ce que je dois faire, vu que j'ai une bride en relief par l'avant ici et une bride en relief par l'avant ici, je vais à l'intérieur entre les deux mailles en l'air et la bride et je viens faire une maille coulée, ce qui fait qu'automatiquement mes deux mailles en l'air vont se retrouver derrière. Donc vous continuez à faire ces deux rangs. Donc en fait vous contrariez à chaque fois bride avant, bride arrière, et lorsque vous êtes, donc je défais juste pour vous montrer, lorsque vous êtes à la fin, si vous avez donc une bride en relief à l'avant, vous passez comme ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous terminez par une bride en relief en arrière, à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous placez le crochet, hop,
pour que les deux mailles en l'air se retrouvent devant. Vous prenez le fil. Voilà, et vous faites une maille en l'air. Donc comme ça, vous aurez vos deux mailles qui seront vers l'avant. C'est plus pratique de faire comme ça parce que au fur et à mesure, vous allez avancer dans votre travail et on ne verra pas les deux mailles en l'air. Donc moi, je vais continuer. Là, donc je remets comme tout à l'heure. Je vais à l'intérieur. Hop, je repars avec deux mailles en l'air. Et là, je repars avec une bride en relief par l'arrière. Je vais continuer, je vais monter et puis on se retrouve lorsque j'aurai fait suffisamment de hauteur pour faire les poignets. Alors, comme vous pouvez le constater, moi j'ai avancé en faisant trois rangs couleur prune. J'ai continué avec du gris et là je vais vous montrer pour faire les anses. Donc vous faites comme vous voulez au niveau de la hauteur. Moi j'ai tout ça. Donc pour faire les anses, c'est très simple. Vous faites les anses là où vous voulez. Moi j'ai commencé un peu mon rang. Vous avez juste à faire des mailles en l'air. Donc moi je vais en faire 10. Vous en faites le nombre que vous avez besoin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prépare pour faire une bride et là je vais sauter 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais travailler la 11e. Et je continue en fait en faisant mon motif. Voilà, une bride en relief en avant. Moi, j'ai fait 10 mailles en l'air parce que c'est au moins je vais pas être embêtée à compter et puis j'ai la main qui passe surtout. Pour faire en face, ne vous embêtez pas à compter les brides, hein, surtout vous regardez à peu près et voilà, moi je vais le faire par là. S'il y a quelques brides en plus ou en moins, ça se verra pas. Donc je fais mon tour et on se retrouve après pour continuer les anses. Donc là, je vais arriver à ma poignée. Je travaille ma dernière bride. Donc c'est une bride en relief en arrière. Et là, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est travailler. En fait, je vais juste venir faire des brides. Donc, parce que je pense que vous avez pas dû voir. Je fais un jeté, je vais dans la maille en l'air et je fais une bride. Maille en l'air suivante, une bride, c'est tout simple. Vous continuez, vous remplissez, vous faites que des brides, vous faites la même chose sur l'autre poignet et ensuite comme ça, au tour suivant, vous pourrez commencer à les travailler en faisant le motif. Donc là, je vous montre que j'ai fait mes 10 brides. Donc là, je vais continuer le motif. Donc là, comme c'est une bride qui est donc vers l'arrière, je viens la chercher en relief par l'avant. Donc après, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez faire, enfin la hauteur que vous voulez faire. Moi, je vais continuer toute seule de mon côté. Sous la caméra, c'est vraiment pas pratique. Là, je pense qu'en plus, vous pouvez voir, je suis obligée de plier le panier pour passer au niveau de la caméra. Donc, je vais finir et après, je vais voir si on fait des finitions ou pas, ou si je le laisse comme ça. Donc, j'ai fini toute la hauteur de mon panier. Moi, j'adore, c'est vraiment le côté tressé. Je vous montre ce qui me reste. Là vraiment je peux pas faire de rang supplémentaire. Il me reste ça.
Donc, au choix, je vais voir peut-être un pompon à frange ou un truc. Parce que, comme c'est une corbeille, je vais mettre des jouets dedans. Ce serait rigolo de mettre un peu de fil qui pend ou je sais pas. Je réfléchis. Ce que je vous propose de faire, c'est une petite finition. Donc, avec cette couleur-là, parce qu'il me reste ça. Vous faites une boucle au bout de votre fil. Moi, je mets le fil à l'intérieur, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez dans une bride, n'importe laquelle. Vous prenez votre boucle, vous la passez au travers. Je suis toujours avec mon crochet 5 mm. Je vais dans la bride suivante. Je fais un jeté, je fais une maille coulée. Bride suivante, un jeté, une maille coulée. Bride suivante, un jeté, une maille coulée. Ne pas trop serrer surtout. Une maille coulée. Je vais faire tout le tour. En fait, ça va faire un petit rappel avec les rayures que j'ai fait plus bas. Donc là, j'ai fini tout le tour en maille coulée. J'ai laissé la boucle. J'ai coupé mon fil. J'ai pris une aiguille à gros trou. Donc, ce que je fais, je prends mon fil. Mon fil, il est derrière. On est d'accord. Là, c'est là où j'avais commencé. Je passe mon aiguille à l'intérieur et en même temps, il faut que j'aille dans la maille coulée. Et je passe dans la boucle. C'est vraiment pour faire une finition. Voilà. Et ensuite, je repique. J'ai le fil qui est parti. Donc, je repique là où je suis venue. Je remets le fil dans mon aiguille. En fait, ça va prendre la boucle. Ça va prendre la boucle qui est là. Voilà. On voit pratiquement pas la différence. Voilà, mon panier est terminé. Bon, j'ai mis de la laine dedans. J'ai mis des petits pompons à franges de chaque côté. Il me restait du fil, donc ça, c'est comme vous le voulez. Il est vraiment grand. Donc tout ça, c'est des plots super soft de chez Ziman. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place dans ce panier. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est l'effet tressé. Vraiment très, très joli. Voilà, sur ce, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo, à vous abonner, bien entendu. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, dans le groupe Au bout du fil. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!